Salut les mecs, une nouvelle vidéo, un nouveau débrief aujourd'hui de ce Girondin de Bordeaux contre l'AS Monaco, c'est parti! Bon, leur match où on s'attendait qu'il soit déséquilibré, puisque Bordeaux limite le maintien, puisqu'ils sont maintenant à 5 points quand même du 18ème. Et entre Monaco qui est tout simplement incroyable en 2021 et qui est sur je sais pas combien de clean sheets d'affilée, mais en tout cas ils sont incroyables, mis à part leur clean sheet, ils sont très bons en attaque, ils ont une vraie cohésion de jeu avec Niko Kovac, tout ça, donc franchement voilà. Sur le papier c'était déséquilibré et on l'a vu également dans le jeu, puisque pour Bordeaux d'ailleurs on a dû attendre l'heure de jeu pour avoir le premier tir donc de la partie, donc c'était vraiment catastrophique. Mais avant que le débrief commence, on va déjà commencer par énumérer les compositions de ce match. Déjà du côté de Bordeaux, on avait une défense à 5 avec d'abord Costil dans les buts, Sabali en latéral droit, Rimoudin en latéral gauche, Bayes, Koscielny et Benito pour les 3 défenses centraux. Après, Houdin et Sabali pour les 2 latéraux, c'était plus des pistons, moi j'ai vu, mais du coup voilà. 3 milieux de terrain, Adli, Lacou et Basic, et les 2 buteurs, Wang Guizhou et Ben Arfa. Ben Arfa jouait un peu dans un rôle de fou numéro 9 et Wang Guizhou de 9. Et du côté de l'AS Monaco, on a eu Lecomte dans les buts, Giroud Sidibé en latéral droit, Caio Henrique en latéral gauche, Bayachil Maripane pour les 2 défenseurs centraux, Tchouaméni Fofana pour les 2 milieux centraux, Jason Martins en milieu droit, Golovin en milieu gauche, Volland en 10 et Ben Yedder en buteur. Après, Volland et Ben Yedder alternaient pas mal. Parfois il y avait Volland un peu plus haut que Ben Yedder, parfois Ben Yedder plus haut que Volland. Mais en général, c'était plus Ben Yedder qui était devant Volland. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer aux enjeux du match. Déjà, en cas de victoire, Bordeaux pouvait monter de 3 places et dépasser l'AS Saint-Etienne en étant donc 13e s'ils gagnaient évidemment l'AS Monaco. Parce que là, avec cette défaite, ils sont donc, comme je disais tout à l'heure, à 5 points seulement du barragiste. Et du côté de l'AS Monaco, les Monégasques pouvaient donc prendre 4 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais provisoirement, puisque les Lyonnais jouent ce soir contre contenant tout simplement donc à la Beaujoire. Maintenant on peut passer donc au contenu du match, au débrief tout simplement. Dès le début de match, Monaco donne le ton, frappe du russe Golovin, mais ça sera finalement arrêté par le gardien bordelais Benoît Costil. Et un moment, 30e minute de jeu, on n'a pas vraiment de vraies occasions dans cette première période. Et d'ailleurs dans tout le match on n'a pas eu beaucoup de vraies occasions, mais on a eu des mini occasions, pas ouf. Mais par contre dès qu'il y avait une occasion pour l'AS Monaco, l'AS Monaco l'a concrétisé tout de suite. Dès qu'il y avait une grosse frappe, à part cette frappe de Golovin donc. Et à la 30e minute de jeu, passe de Ben Yedder pour Kevin Volland. Les deux, ils se trouvent très bien. Frappe de l'allemand et ça fait donc 1-0 pardon pour l'AS Monaco à la 30e minute de jeu. Et juste avant la mi-temps, Monaco va essayer de porter ce score à 2-0 et de briquer. Frappe de Fofana hors de la surface. Il sera à côté du but donc de Benoît Costil, l'ancien international français. Et en seconde période, les amis, dès le début, à la 47e minute de jeu, c'est là où ils vont breaker finalement. Passe de Tchouaméni qui lance Martins dans la profondeur. Jason Martins ne tremble pas et marque le but du 2-0 pour breaker face donc à Bordeaux. Résultat totalement mérité donc pour les Monégasques dans ce match. Après, Bordeaux va essayer de réagir avec une frappe. Leur première frappe à la 70e minute de jeu de tout le match. Mais finalement, ça ne donnera rien. Du coup, voilà, maintenant pour ce débrief, maintenant, on va passer au top et au flop de ce match. Déjà pour les tops, je pense qu'on peut citer Ben Yedder qui a été vraiment bon dans ce match. Comme Volland d'ailleurs, voilà, il a été là. Tchouaméni a tenté quelques petites choses et en plus il a délivré une passe décisive à Jelson Martin, donc je le mets aussi. Et au niveau des flops, il y a beaucoup de Bordelais qui ont fait un mauvais match. Voilà, je pense par exemple à Benito qui a vraiment pas été fou du tout. Sabali également a pas été incroyable. Basic aurait pu faire mieux également, mais voilà, dans l'absolu, quasiment tous les joueurs de Bordeaux ont été vraiment mauvais. Ali a montré quelques petites choses, mais sans plus. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les gars, seule chose que je vais vous dire, c'est salut.